Bonjour tout le monde. Le titre, trop d'intimidation pour la conférence nationale bis du Congo-Brazzaville. Je sais ce que je vais faire maintenant avec les traîtres. Bon. Vous vous dites combattant. Vous vous cachez derrière pas mal de faux profils pour injurier les gens. Mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous vous cachez derrière des faux profils. Vous venez dans le direct du général Keteka pour m'injurier. Je sais qui est derrière le faux profil de Armand Serge Oba, soi-disant. Mais je te dis, toi là, quand je vais t'attraper, tu verras. Seulement avec ça, comme à l'armée j'ai appris, je vais péter ton cou. Avec ça seulement. Je vais te montrer. Tu as vu l'orange? Hier, j'ai pété l'orange dans le direct de Keteka. Général Keteka. Vous savez, moi, je n'ai pas eu de titre général ou maréchal. Non. Moi, je n'ai pas tué les gens. Moi, j'ai appris ce que c'est les armes. Moi, avec des collègues, en Allemagne, on allait déterrer les bombes que Hitler avait planté quand il y avait la Première et Seconde Guerre mondiale. Les chars militaires, je connais ce que c'est le sang, parce que j'ai déjà amené cela. Les bombes, je connais ce que c'est. Les lance-roquettes, je connais ce que c'est. Vous vous croyez parce que hier j'ai travaillé, hier j'étais debout pour le combat du Congo. J'étais avec Donald Imperator, Harold Mandela, Faye Monama. Vous vous dites que aujourd'hui, depuis que je ne suis pas avec eux, que vous pouvez maintenant jouer avec moi. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le charisme d'un guerrier bantou, le charisme d'une panthère. Vous m'injuriez de SDF. Est-ce que le vieux Boukadia, qui est sorti de la prison, qui a fermé sa bouche, on ne le voyait pas, soi-disant prison, on ne le voyait pas dans Paris. Moi et Willy, on y a mis, on a fait un grand travail. Pendant qu'il était soi-disant dans la cellule. Willy Onyami m'a fait signe quand il était sur Paris. Il est venu sur Paris. Le viola n'était pas en prison. Le viola a touché beaucoup d'argent. Le tien, moi, je ne peux plus le protéger. Je ne peux plus être à côté de lui. Willy Onyami me l'a fait savoir. Donc, vous croyez que la conférence de Berne, la conférence nationale BIS, pour en découdre avec Sassou, grandement faux. C'est pour faire sortir Sassou par la grande porte, comme Monseigneur l'a fait. Et c'est pour légitimer la succession du pouvoir de
Ochombe, assassin de mère, afin que Christelle Kiki devienne le président au Congo-Brazzaville. Écoutez bien ce que je dis. Et c'est ça. Il y a pas mal de francs-maçons qui sont des opposants soi-disant, mais des faux. L'histoire du Congo, vous voulez envoyer les gens à l'abattoir. Ça vous intéresse d'envoyer les gens à l'abattoir? Ça vous intéresse? Vous savez, vous me faites penser, vous les jeunes la plupart, vous me faites penser à Sassou, hein? La bande des 11, la bande à 12, vous me les faites penser. Vous êtes des gens très dangereux. Vous faites le même jeu des années 68 de Sassou Nguesso, le tueur des tueurs. Les années 73 de Sassou, vous me faites penser à lui. Vous êtes très dangereux. Avant que moi je devienne SDF, que mon père, qui a fait à ce que je suis venu dans cette terre de merde, qu'il devienne d'abord SDF. Que le vieux Boukadia que vous suivez derrière comme des moutons, qu'il devienne d'abord SDF. Que le vieux Marc Mapingu, que vous adorez plus que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qu'il devienne d'abord SDF. Que les femmes que vous avez couru derrière pour avoir des enfants, afin que vous ayez des papiers réfugiés politiques, ou afin que vous ayez des cartes de séjour, que deviennent d'abord vos femmes-là, deviennent d'abord SDF, des enfoirés de merde. Vous voulez envoyer les Congolais à l'abattoir, le chemin de l'abattoir. Oui, vous voulez envoyer les Congolais dans le chemin de l'abattoir. Cette conférence est une conférence bis internationale de haine. Vous êtes des gens haineux. Vous êtes des gens sans charisme humaniste. Vous ne connaissez pas ce que c'est le mot humaniste. Vous n'êtes pas humaniste. Vous êtes des criminels. Vous êtes des vampires. Vous êtes pire que Sassou. Vous êtes des gens dangereux. Oui. Vous aimez le drapeau de merde maçonnique. Le drapeau que j'avais déchiré. Ça. Oui. Vous aimez le drapeau maçonnique, le drapeau de division, le drapeau qui a tué immensément au Congo. Moi, le tien, je travaillerai avec les gens vrais pour la libération du Congo. Peu importe le temps que ça prendra. Nous allons descendre Sassou. Nous, on n'est pas là pour s'asseoir sur les tables de conférences internationales bis de merde. Conférence internationale bis est égale communauté internationale du sang de merde. Ce sont les mêmes qui tuent en Afrique. Ce sont les mêmes qui créent des guerres. Ce sont les mêmes qui donnent des armes afin de voler les minéraux en Afrique. À cause de la conférence de Berlin 1884, 1885. Vous me faites penser exactement à Blaise Compaoré qui a tué Thomas Sankara. Mais vous savez quoi? Thomas Sankara a été tué. Il savait que Blaise devait le tuer. Mais moi, par contre, je sais qui vous êtes. Vous qui vous cachez derrière les casques des combattants. Vous qui vous cachez derrière les faux profils
pour injurier les gens. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas des couilles. Vous n'avez pas des couilles. Vous n'avez pas des couilles. Celui qui a des couilles, ne se cache pas derrière les faux profils. Il montre son visage. Celui qui a des couilles, il montre son visage. Vous n'avez pas des couilles. Vous passez votre temps. Et général Keteka, si c'est un homme de ce nom, il ne devrait pas accepter que des connards viennent injurier des gens. Mais si général Keteka tolère que moi, on vienne m'injurier dans son direct, il tolérera aussi qu'on injurera Flavie Louya, qui est ma cousine. La nièce au premier président Fulbert Youlou. Est-ce que Youlou était SDF? Est-ce que Massamba Déba était SDF? Enfoiré de merde que vous êtes. Patrice Lumumba était vendu exactement par des gens comme vous. Vous êtes des gens, vous portez la haine en vous, vous portez le désarroi en vous, vous portez la barbarie en vous, comme la France barbare de merde. Croyez que vous pouvez faire peur à tout le monde. Dans la vie, on ne fait pas peur à tout le monde. Demandez à mon père. Posez la question à mon père, qui est le tien? Posez la question à mon père, qui est Georges Passy. Posez la question à Flavie Louya, qui est le tien, elle vous dira. Vous croyez, moi, qui ai eu attaqué Sarkozy, hongrois de merde, moi qui ai eu attaqué Manuel Valls de merde, moi qui ai eu attaqué tous les dirigeants double visage en France. Vous croyez, si je les ai pointés de doigt, vous croyez que vous pourrez me faire peur? Des gens qui ont dirigé la France, qui ont toujours tué les gens en Afrique, c'est pas la France, avec la complicité des autres occidentaux. Mais vous croyez que si je pointe de doigt la France, vous croyez que j'aurai peur de vous? Mais vous êtes des enfoirés de merde. Vous vous cachez derrière des faux profils. Armand Serge Oba, j'ai cherché hier sur Facebook. C'est un faux profil. Général Keteka, il sait qui c'est. Mais moi, je sais qui c'est. Mais cette personne-là, je te ferai la peau. Je vais d'abord m'attaquer d'abord au grand loup maçonnique, Sassou de merde, Ali Bongo de merde, Paul Biya de merde, Ouattara de merde, Théodore Obiang de merde, tous les dictateurs de merde, Kabila de merde, c'est cela d'abord.
Les armes, moi, je connais ce que c'est les armes. Vous vous faites appeler combattant. Avez-vous fait l'armée? Avez-vous connu ce que c'est la discipline? Non. Vous savez pas connu. Vous avez peur de nous. Vous avez peur des vrais. Mais sachez une chose. Nous resterons dans le chemin vrai jusqu'au bout. Nous ne sommes pas là pour sacrifier le peuple. Nous nous sommes là pour libérer le peuple. Nous sommes là pour que le peuple ait une libération correcte et exacte et que le peuple puisse vivre sans qu'on les tue. Que le peuple puisse mériter l'eau potable, l'électricité, l'éducation nationale, une santé correcte et loyale pour tous. Ça, c'est notre objectif. Nous ne sommes pas là pour nous faire des fortunes, non. Si j'avais besoin de la fortune, j'allais être avec mes grands frères qui sont des grands hommes d'affaires au Congo, avoir beaucoup d'argent. Mais ça ne m'intéresse pas. Posez la question aux gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que l'argent les a sauvés? L'argent ne sauve personne. L'argent ne sauve pas des vies. Non. C'est Dieu qui sauve la vie. Où est passé Edith Bongo qui avait beaucoup d'argent? Edith Bongo avec son mari Omar Bongo qui faisait peur. Ils sont. Est-ce que l'argent a sauvé la vie d'Edith Bongo? Est-ce que l'argent a sauvé la vie d'Omar Bongo? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre qui sauve. Est-ce que le drapeau de merde que vous aimez tant, le drapeau vert, jaune, rouge, vous croyez que c'est ça qui va sauver le Congo? Vous croyez que la conférence BIS internationale, qui n'est que la conférence pour faire sortir Sassou par la grande porte, comme ce que Monseigneur Combo a fait, vous croyez que nous sommes des imbéciles? Posez la question à Flavie Louya qui est le Dieu. Je vous le redis encore. Posez la question à Flavie Louya qui est le Dieu. Celle qui est ma cousine, posez-la la question. Elle vous dira qui je suis. Est-ce que Donald Imperator peut s'asseoir à côté de moi? Il aura sa tête basse. Son visage sera bas. Parce que Donald Imperator sait qui je suis. Il sait que je suis un vrai. Il sait que j'aime pas les conneries. Il sait que j'aime pas les mensonges. Il sait que j'aime pas les jeux mesquins. Vous êtes des gens mesquins. Avec vous, le Congo sera toujours en danger. Avec vous, toute l'Afrique sera toujours en danger. Guy Mafima se fait passer pour un démocrate, mais c'est pas un démocrate, c'est un assassin. Le vieux Marc Mapingu se fait passer pour un démocrate, mais c'est pas un démocrate. Des assassins qui se cachent derrière la diaspora qui veut libérer le Congo. Toujours les mêmes vieux qui ont envoyé des générations et des générations à la mort. Pas mal de ces vieux ont travaillé pour Sassou à l'époque. Pas mal de ces vieux ont conduit pas mal de gens à la mort. Allez dans votre conférence BIS internationale de merde seul. Je ne serai pas là. Allez seul.
la femme que moi je vis avec, qui est la mère de mes enfants. Toi, Armand, Serge Oba, tu peux pas avoir une femme comme ça. Toi qui te caches derrière les faux profils, mais je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Donc, vous passez votre temps à venir pour injurier les gens. Mais regardez, les dictateurs qu'on s'attaque à leur pointée d'assassin, eux, ils ne viennent pas nous injurier. Eux, ils ne viennent pas nous injurier. Leurs enfants dictateurs que nous pointons de doigts, de bandits, eux, ils ne viennent pas nous injurier. Non. Non. Eux, ils ont confiance en l'argent qu'ils ont et ils ont confiance aux armes qu'ils ont. Des gens comme moi, ou les gens comme les gens qui sont vrais comme moi. Nous, c'est la détermination qui fera, qui fait notre force. La détermination, le courage et être des gens vrais. C'est ce qui donne notre force et notre courage. Nous ne sommes pas des gens à double visage. Nous ne connaissons pas les doubles visages. Ça vous fait plaisir ce qui s'est passé avec Ange Diawara et son collègue. Hein? Vous voulez que ça soit pareil pour toutes les générations. Vous voulez que les dictateurs puissent avoir des gens et les tuer et exposer les corps dans des stades. Ça vous fait plaisir. Vous êtes des gens excessivement dangereux. Vous voulez amener la brutalité en Europe, la brutalité en France, où ce que vous avez vos pattes, je dirais pas vos pieds, mais des pattes, amener la brutalité. Car en France, ils sont plus brutaux que vous. Vous voyez l'homme blanc. L'homme blanc est un observateur. L'homme blanc, il laisse le temps à ceux qui se prennent pour des loups de faire leur agitation. Mais après, l'homme blanc vous fera sortir les griffes et ils vous montreront qui ils sont. Moi, je connais le jour quand on m'avait kidnappé à cause des gens que j'ai eu confiance. Les 242, les indignés. Mais quand on m'a pris, quand on m'a amené hein, à l'hôpital avant de m'amener au dépôt, les coups que j'ai reçus hein, d'un des agents qui ont mis les gants de la mort, les gants américains, vous n'avez jamais eu ces coups-là. C'est là où j'ai compris pourquoi Thomas Sankara était mort, pourquoi Patrice Lumumba était mort, pourquoi il y a eu tant de gens importants qui ont perdu leur vie. C'est là où j'ai compris pourquoi le président Marien Ngouabi, le président Massamba Déba, le cardinal a été tué. Je vous le dis et je vous le redirai. Le vieux Boukadia, moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance. Un homme excessivement dangereux. Et là où ce qu'il est, il sait que moi, je sais qu'il est dangereux. Et c'est un homme dangereux. Tous Congolais qui feront confiance à cette espèce seront des Congolais qui vont répondre plus tard à une grande justice.
Parce que j'ai confiance au Congo, un jour, il y aura une vraie justice. Tous les criminels seront rattrapés. Tous les voleurs seront rattrapés. Tous ceux qui ont pris les femmes des gens qui n'ont pas respecté les codes des Bantous seront rattrapés. Tous ceux qui ont violé des enfants seront rattrapés. J'ai confiance. Le vieux Boukadia, moi, jamais je pourrais avoir confiance. Je ne sacrifierai pas ma vie pour un vieux qui connaît pas mal la cascade qui a conduit à pas mal des gens à la mort au Congo-Brazzaville. Ne me voyez pas comme ça seulement. Non! Je suis quelqu'un revenant des revenants. Posez la question à Flavie Louya. Sassou Wiske, il est lui-même. Il sait que moi, je ne suis pas n'importe qui. Sassou, s'il est venu à Paris, il a mis ses pattes et qu'il a demandé à Macron, donne-moi le tien. Vous croyez que Sassou peut demander à Macron, donne-moi le tien comme ça? Sassou connaît la valeur que j'ai. Mais vous, vous ne connaissez pas la valeur. Vous êtes des traîtres. Et vous voyez moi là, jamais je pourrais être encore avec vous, marcher avec vous, prendre un verre avec vous, un café avec vous, jamais. Vous êtes dangereux. Vous vous plaignez des gens qui sont des faux combattants, qui sont allés manger, prendre l'argent de Sassou. Mais vous êtes pire que eux. Vous êtes pire que eux. Vous êtes des gens dangereux. Vous vous cachez derrière les faux profils. Vous n'avez pas des couilles. Vous n'avez pas. Vous êtes pire. Pire que des crabes. L'affaire du cardinal Émile Biaenda, ça vous fait plaisir. L'affaire du président Marien Gwabi, ça vous fait plaisir. L'affaire de Masson Badeba, ça vous fait plaisir. L'affaire de Ange Diawara, ça vous fait plaisir. L'affaire du vieux Samba Diakoumbi, ça vous fait plaisir. Oui. Tout ce qui était zigoué, les Machukota Poabou Masuemé, ça vous fait plaisir. Regardez au Congo Brazzaville. Toujours conférence. Conférence. Il y a eu déjà deux conférences. Une conférence militaire, une conférence nationale. Maintenant, une troisième conférence qui est en route. Mais attendez, mais vous croyez que nous, on est imbéciles? On est des imbéciles? Toujours les conférences. Regardez, examinez bien les conférences, toujours pour amener les gens à la mort. Si vous êtes des vrais hommes, vous qui avez travaillé avec Pascal Lissouba, vous avez parmi vous pas mal d'argent. Et l'argent que vous avez, ce n'est pas votre argent. L'argent volé du peuple. Pourquoi vous ne faites pas sortir l'argent? Pour faire face. Pour faire face à tous ceux qui sont au Congo. Pourquoi vous ne faites pas sortir l'argent? Pour les dégager. Hein? Pourquoi vous ne faites pas sortir l'argent pour payer les armes? Mais c'est parce que
Vous voulez que ça continue à massacrer les gens. Vous faites un semblant. Vous n'êtes pas des gens vrais. Vous êtes des gens excessivement dangereux.